Et salut tout le monde, c'est Bobby, on se retrouve aujourd'hui sur Dead Light. On va commencer le jeu, mais là c'est Dead Light The Following, ouais c'est ça, Dead Light The Following, donc on va direct le lancer. D'accord, bah on va faire la campagne, voilà. Nouvelle partie. Nouvelle partie. On va se la jouer en normal, parce que nous on y paye des Bobby. Voilà, nous on est des Bobby normal. C'est parti. Oh, joli c'est. Oh, de... oh là, c'est ça qui m'a fait. Début du briefing. Information sur le sujet. Kadir Suleiman. Waouh. Homme politique local, chargé de maintenir l'ordre suite à l'infection. Son frère Hassan est mort lors d'un accident lié à la maladie, avant que nous n'ayons pu l'évacuer. Suleiman a accusé le GRE de la mort d'Hassan. Il a volé un dossier très sensible, qui est devenu sa monnaie d'échange contre le GRE. En lui demandant de le révéler, si quelque chose lui arrivait. Information sur le sujet, le dossier volé. Voilà, c'est bon. On va sauter. On va sauter, il fait l'aïe. Utilisé dans son état actuel, la substance non, on va pas passer, c'est peut être extrêmement toxique. Oh. De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virus. Wow. Son utilisation causerait des bobines. Un nombre impressionnant de victimes. Oh. Il faut le récupérer. Information supplémentaire, statut actuel. Suleiman a envoyé le dossier à un Suleiman. Hé Soul, tu fais quoi ici? En fait, Suleiman, c'est un meilleur pote, tu vois. Je kiffe. Et Suleiman, si tu regardes la vidéo, c'est une dédicace à toi, ça. Le fichier public. Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage. C'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Suleiman a disparu de la circulation et se cache sous un faux nom. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opère dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Suleiman. Et Suleiman. Repérer le dossier volé. Afin de sauver l'humanité d'une catastrophe sans précédent. Waouh! On va se péter les pieds! Mais Suleiman, t'as vraiment fait la merde là! Je sais pas ce que t'as fait là, mais bon. Et merde! Ah, va quoi? Aïe! Ça pique! Je t'avais dit que c'était pas un parachutage normal! Ah! Mette-lui une jambe! C'est toi, Soul? Conduis-le à Rice. Reculez! Tous! Non! Le bruit les attire! Aïe! Tirez-vous! Tirez-vous! Ça pique! Merde, les zombies! Non! Arrête! Là, elle m'a bouffé. Merde, je suis mordu là! Putain, j'ai à peine d'arriver, c'est bon, je suis déjà un zombie. C'est quoi ce bordel? Oh! La merde. Dégage de la rue! Tu peux me passer ton 1016? Il a pas comme ça. Vite! C'est le bordel là! Cours! Ah! Ouvre la porte! Ah 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 il s'appelle Ramin! Il est mort! Il s'appelle Ramin! Hein. La Suleiman est Ramin là! La Ramin le chameau, la Suleiman! Putain! C'est juste, c'est un jeu de fou! Aïe! Hey, mais là, je crois comme ça, je suis pas. Tour! Ici Jade! Préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête. Et une morsure au bras. Merde! Amir est blessé! Non. Amir y est resté. Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir. Un des nôtres? On verra bien. Moi, t'inquiète, je suis en militaire, moi. Non. Comment c'est espèce? Comment c'est espèce? Je suis un peu mal à la gorge là. C'est déjà si ça part en steak. Ça part en steak le début du jeu là. La Hamid qui est mort, la Suleiman qui a fait la merde. Voilà quoi. Suleiman, je te pensais pas comme ça. Je sais que t'aimes bien The Walking Dead, mais jusqu'à créer ça dedans d'une ville du Maroc, voilà quoi. C'était pas super.
Fallait pas faire ça sur des vrais gens, je suis humaine. Voilà. Oh. On continue. Kalaï. Putain, je sais pas pourquoi je rajoute tout Kalaï. Vas-y, toi, t'as la trouille. Même pas vrai. Alors pense-le. Il a bougé. Quoi? Il a encore bougé. Et si c'est un zombie? Un zombie! Faut pas rester là! Et je suis pas un zombie, moi. Et j'étais infectée à la base, quand même. Bon, ça va bien. Alors, on va voir ce qu'il y a. La sensi est hyper haute, par contre, là. Ah, on est dans une tour, je crois. Bon, vas-y, opération bestiaque, on y va. Dors comme une souche pendant 3 jours, puis tu fais peur aux gosses. Bon début, 31. Où je suis? Au paradis, ça se voit pas. Bon, assez plaisanté. Va en salle 190. Le boss te fera un topo. Ok. Et... ça veut dire quoi, 31? Demande au boss. Et tu crois peut-être lui. Il a un coup de boule. Vas-y, on fait un foot. Le pen cache. C'est ton numéro. Hein? C'est-à-dire? Ton numéro. Tu es le 31e infecté. Je suis la 18e. On compte tout ici. Une dose d'antisine en moins. Un nouvel infecté. Un traceur de perdu. Qui c'est qui fait de la merde de musique là? 31 infectés et plus que 7. Et on peut plus se permettre de perdre quelqu'un. C'est à cause de lui qu'Amir est mort? Et toi? Si je veux. Maintenant c'est lui qui aura l'antisine d'Amir. Salut, où est la salle 190? À l'étage. Et toi, tu as un coup de boule, c'est quoi le bordel? On se fait éliminer les uns après les autres. Et toi, tu es Crane. Le 31. Oh, c'est vrai. Comment va ta tête? Ma tête? Je vois. Écoute, tant que le boss ne dit rien, tu n'es pas sur la liste. Alors va lui parler, on gagnera du temps. Maintenant, j'ai du travail. C'est de l'art des pieds ici. Je peux pas. Ah, c'est où j'étais. En gros, j'ai fait tout le tour. Voilà, au plein, on fait tout le tour. On ouvre une porte. C'est comme ça. Oh ah. Je cherche le boss. Il est là? Non, c'est toi, le 31. Entre. D'accord. Bonjour. C'est joli ici. Pour un The Walking Dead, c'est pas mal, hein. Sur le balcon, au calme. Ah, t'es quand même en balcon, toi t'es comme si c'est Zoual qui n'était le balcon. T'es au calme. Bah, je crois pas, toi. Je cherche. C'est toi le boss. Enfin, c'est du zombie, quoi. C'est quoi le problème? Tu es trop jeune, c'est ça? Non, je. Tu voulais me parler? J'aime mieux ça. Tu te souviens de quelque chose? Tu sais où t'es? On dirait que c'est une sorte d'abri. On appelle ça la tour. Brecken et ses traceurs ont bricolé ça il y a quelques mois. Et depuis, c'est là qu'on vit. On traque les livraisons, on récupère, on pille, et on sauve des gens. Ouais, je voulais remercier cette fille. Tant mieux. Parce que sans elle, tu serais déjà en train de grignoter de la rotule. Au fait, ton antisine est complètement foutue. Le seul truc que Jade a pu sauver, c'est ta radio. Ok, je peux la récupérer, s'il te plaît? À mon avis, j'en ai plus besoin que toi. Ça, mon vieux, ça m'étonnerait. Bien, prends-la. C'est pas les fous, hein. Tu sais pourquoi les traceurs risquent leur vie? Pour des types comme toi. Et toi, tu utilises l'antisine destinée à quelqu'un d'autre et tu partages même pas ton matos. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. Et je donne un coup de boule. J'ai contact avec un de nos gars. C'est toujours pareil avec ces radios de merde. Rends-moi service, tu veux? Je veux plus voir ta tête, ni ta précieuse radio. Alors, va te rendre utile ailleurs. On n'aime pas les feignants ici, dans la tour. Eh, hey, c'est injuste. Je suis pas feignant, je... Eh, hey, boss. Lâche-moi. Le type dont je t'ai parlé, il est au 13e. Il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement. Repasse plus tard. Je vais donner un coup de boule. Tu vas reprendre ta vie. Et je suis pas le boss ici. Trop jeune, tu te rappelles? Moi, je suis Raim. C'est Brecken qui commande ici. Oh, voilà, petit pédé, alors ferme ta gueule. T'as pas une calache, là?
Okay, c'est quoi ici? Oh, c'est Julie. Et oh, les feuilles. La 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 la. Bon, on y va. Je suis pas feignant. Ouais, on est pas feignant. Tu connais celle-là? Que dit un zombie à un rancard? Bon sang, ça suffit, les blagues débiles. On va prendre l'ascenseur. Où tu vas comme ça? Au 13e étage. Je dois rapporter un truc à Raïm. Le 13e? Ah merde! Tu parles d'un sale boulot. Bah, tout le monde doit faire sa part, hein. C'est un village plein de... c'est un étage plein de zombies à tous les coups. Oh les pédés, ils m'ont même pas donné une calache. Ils veulent que je crève. Je vais leur donner un coup de boule. Moi, bon, ça c'est la règle. Il me faut chercher une coupe. La vache. Il y a eu combien de morts ici? C'est quoi ce bordel? C'est Crane. Ça fait 70 heures qu'on essaie de vous joindre. Que s'est-il passé? J'avais perdu ma radio, mais j'ai pas grillé ma couverture. Pas encore de contact avec le chef de la tour. Identité impossible à confirmer. J'essaie de m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose. J'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on me dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antisine toute seule. Allez! Allez! Qu'est-ce qui se passe? Allez, je propose qu'on fasse une coupure juste avant ça. Bon, on va faire une petite coupure parce que j'ai pas envie de vous couper dans l'action. Bon, allez, on fait une petite coupure. Et c'est bon, la petite coupure est faite. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette merde. Oula, la lampe torche. C'est The Walking Dead. Ça fait peur. Je me suis coupé en lui échappant. Merde. Vous avez dû le tuer, hein. Oh, bon Dieu. C'était mon frère. Je suis venu là pour le voir. Du calme, tout va bien. Je vais chercher de l'aide. Raïm, ici Crane. Je suis au 13e étage. Le gars que tu cherchais s'est salement amoché en échappant à un zombie. Oh merde. 31? T'as suivi Marc? Est-ce que les lieux sont sûrs? Maintenant, ça va. Ok, bouge pas. Je dis à Léna de descendre. Bouge pas. Léna devrait pas tarder. De la gaz. Trouve de la gaz et... de l'alcool. Combine-les. Ça stoppera l'hémorragie. Oh, dépêche-toi. Essaie de rester calme, d'accord? Ouais, reste calme, Mounier, là. Ça pue. C'est quoi ça? Merci. T'es une merde! D'accord, c'est quoi ça? Ah, ça c'est une boîte. C'est bien, c'est tout. Attends là, c'est bon, safe. Je vous jure, j'ai très peur. Putain, mais je trouve pas de gaz. Où est le gaz? Putain, là, on me troll, là. Où il est? Ah, putain. Conno que je suis, quoi. Alcool.
Allez, on va visiter un appart, trop cool. Il y a un zomblard dedans. Putain, j'ai peur. Où t'es, gros PD? Safe. Il fait peur, ce jeu. Bon, c'est tout ce que voulait Marc. On va essayer. Une boîte de nuit, c'est quoi ça? Attends, quitte de sombre. Voilà. Tiens, Marc! T'inquiète, ça va très bien. T'inquiète, c'est pas du tout, rien du tout. Moi, je suis un beau pirate, genre, je t'ai envoyé. Putain, mais j'ai peur, elle. Ouf, putain. De la gaz et de l'alcool, basique, mais ça ira. Ça m'a fait peur. Bon, moi, je suis un Bobby Ranger, de toute façon. Merci. Je m'occupe de la suite. Ok, à plus. Bien joué, 31. Hé, hey, 31. Pas mal pour un nouveau. Je t'avais peut-être mal jugé. C'est pas grave. Je veux juste rembourser ma dette envers vous. Excellent. Viens me voir. Faut qu'on discute de ce que tu peux faire. Ok. À chaussure. C'est parti, Kalaï. On ouvre l'île. Moi, je préfère cet étage. Il est beaucoup plus accueillant. Il est où, Brahim, déjà? Et par contre, Suleiman, il faut vraiment la merde, quoi. Suleiman, là, voilà, t'es un peu abusé, là. Ça va pas bien. Hein. Et franchement, je fais une super grosse dédicace à Suleiman, vu que c'est... un de mes meilleurs potes quand même, avec avec Raph tout et tout. Réglé. Ok, voilà. C'était du gâteau. Alors c'est autre chose c'est, pour moi. Eh bien, laisse-moi réfléchir. Raïm, tu sais que tes idées de génie sont dangereuses. Omar m'a raconté ton plan pour le nid. Des charges explosives, sans rire. Quoi? Des explosifs? Oh, j'ai jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Je sais ce que je fais. Ah ouais? Tu te crois immortel? T'es pas ma mère. Non, en effet. Notre mère est morte, alors il faudrait être un peu plus sympa avec moi. Je suis la seule famille qui te reste, surtout depuis qu'Amir n'est plus là. C'est toi, Jade. C'est moi. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi, et te dire que je suis navré pour Amir. Je vous dois la vie à tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu veux me rendre la politesse? Fais en sorte que mon crétin de frère reste en vie. Pas d'explosif, Raïm. Aussi, je voulais vous dire, bah, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo grave, mais vu qu'en ce moment il se coupe plus, bah, je peux pas en faire, hein, je suis désolé. Allez, on va aller parler. Bon, ça t'a suffi? Tu peux parler à Brecon maintenant? Change d'abord de fringues. Je t'en ai mis des neuves dans ta chambre. Numéro 194. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont, mes fringues? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à la tâche que veut te confier Brecon. Appelle-moi quand tu seras changé. Pourquoi? Comment je fais? Je suis bien, j'ai des jeunes de Bobby et tout. Et je suis en Bobby Ranger, donc tu dis pas que Mathieu c'est une merde. Moi je te baise. T'es cœur? Puis. Et ça va être mon appart! Où l'entrée? J'ai même un garde. Oh, ça c'est mon lit. Ah, faut m'en dire, faut me dire ça. Oh, Ninja Ultini. Bon, moi je vais prendre des habits comme ça. Ah, après on peut changer. Ok, Raïm, je suis prêt. Où je peux trouver Brecon? Pas si vite, mon vieux. Gagner ta croûte, on doit d'abord s'assurer que tu sais te débrouiller. Alors fonce à la salle de sport. Elle est sur le toit. Il y a quelques escaliers à monter.
J'aime pas trop. Ouais, bon, je vais monter les escaliers, là, je vais trouver un zombie qui veut en bouffer, ouais. Tu fais de mon gueule. Putain, je sais pas, c'était quoi cette blague, mais ça avait l'air d'être un peu de la merde. C'est quoi cette salle de sport du bled, là? Raïm, je te vois pas, où t'es? Ah ah ah, c'est drôle, c'est vraiment... Tes bugs sont vraiment un truc de fou. Quoi on fait? C'est quoi ta main? Et je vais mourir dès le début là. Faut pas faire ça. C'est où en plus? J'ai peur. Je vais mourir, je vais me péter la gueule. Je n'aime pas la mort. Si! Ouais, trop bien. Putain. Allez, continuez. Ouais, youhou. Franchement, on s'amuse là. On s'amuse fou. Voilà quoi. Oh, tu fais chier là. Et t'as connu de. On monte pas ça à la base. Moi je suis un Bobby Ranger, je sais, mais bon, faut pas pisser non plus. Bobby Ranger, ça fait pas des choses comme ça. C'est bon. T'as fait pis Non mais. Mais t'as fait pis dans ta tête, quoi. On fait pas ça. Allez, on recommence. J'aime les merguez, c'est une chose bonne. Bref, je vais défoncer après d'avoir fait ça là. Où t'es? Bienvenue dans la salle de sport. Tu dois d'abord apprendre à courir. Comment ça, apprendre à courir? Fais seulement ce que je te dis, d'accord? Bon, maintenant saute tout en bas. Ah mais t'as fait plier ta tête, ça va pas bien. T'es cinglé, je vais me tuer. Fais pas ta chochotte. Franchement, t'es pas sérieux là. Si, regarde. Raïm, merde, bouge pas, je vais chercher de l'aide. Mais non, je te fais juste marcher. Espèce d'enfoiré. Bah quoi? T'aimes pas les blagues? Allez. Mais c'est pas marrant là. Ramène tes fesses. Putain de merde. Oh, YOLO! Oh putain! Oh la vache! Ça déboîte, hein? Attends un peu pour prendre ton pied. J'ai mieux. Dehors, pour survivre, tu dois exploiter le terrain. La plupart des mordeurs savent pas grimper. Donc plus le terrain est compliqué, mieux c'est pour toi. Je t'ai préparé quelques situations type. Voyons comment tu t'en sors. Bon, je pense pas qu'on va faire les situations en vidéo. Je vais vous laisser sur ça parce que déjà mon quota de vidéo va être fini là. Donc je vais vous laisser. Bon, allez, bye les abos et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye.